Avoir une caméra extérieure ultra performante. Et en plus de ça, elle est autonome. Parce que oui, on retrouve un panneau solaire juste au-dessus. On va voir ça tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter une caméra extérieure connectée. Donc ici de la fameuse marque S-Vise, il s'agit donc de la CB5 4K. Et oui, parce que en fait elle fait aussi de la 4K. Et d'ailleurs, au passage, il ne s'agit pas de la première vidéo que je réalise concernant les produits de la marque ici S-Vise, qui sont vraiment, je trouve, de très très bonne qualité. Je vais te mettre aussi dans la description le lien de cette playlist, puisque je t'ai présenté d'autres caméras comme la HB8. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les caméras ici que je t'ai présentées sur ma chaîne YouTube de la marque S-Vise, en fait, ce sont les caméras que j'utilise au quotidien. Ça fait compact, voilà, tout est là-dedans, quoi. Globalement, on a la caméra ici qui filme aussi en 4K, et puis on a ce panneau solaire qui permet de rendre la caméra autonome. Forcément, ça fonctionne en Wi-Fi, donc il y a une portée relativement intéressante. On verra ça aussi durant la phase test. S-Vise, fondée en 2013, est une entreprise spécialisée dans les technologies de la maison intelligente avec une présence dans plus de 130 pays. S-Vise s'est forgé aussi une solide réputation grâce à ses innovations technologiques et ses produits fiables. En tout cas, ici, l'entreprise vise à rendre la vie ici plus simple et plus sûre grâce à des appareils intelligents, puissants et faciles à utiliser. Bon, eh bien c'est parti aussi rapidement pour les caractéristiques. Comme je te dis, on retrouve de la 4K Ultra HD, donc on a une résolution de 3840 x 2160 pixels. On a aussi un panneau solaire intégré, un panneau de 1,4 watts, ce qui permet aussi une autonomie prolongée avec seulement 2 heures de charge par jour. Donc voilà, il suffit d'avoir globalement 2 heures de soleil par jour et en fait ta caméra elle continue tout le long. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup de soleil puisque je vis en Corse, donc moi en fait ma caméra elle est tout le temps à 100% de batterie, donc ça c'est vraiment top. Et quand j'ai reçu la caméra, je devais avoir comme 75% de batterie. Le lendemain, avec 2 jours ensoleillés, je suis monté à 100% de batterie. Voilà, donc franchement, tu es tranquille. Tu as 10 400 mAh sur la batterie. Ça permet une utilisation, donc quand elle est à 100%, 180 jours. Donc en fait, suffit d'avoir par la suite des jours ensoleillés. Et bien derrière, forcément, tu t'assures à pouvoir prolonger en fait l'autonomie de la caméra. On a la vision nocturne couleur, donc ça, c'est vraiment cool. C'est-à-dire que et bien le soir, en fait, simplement avec les LED qui sont sur la caméra, ça va éclairer. Ça permettra de voir et bien en couleur durant la nuit, c'est une très bonne chose. On a aussi une grande ouverture donc au niveau de l'objectif, donc ici une focale 1.6. On a la détection AI avancée, c'est-à-dire détection, comme je te dis, précise des formes humaines et de véhicules. Le côté aussi très important concernant le stockage et la connectivité, stockage sur carte micro SD jusqu'à 256 gigabits avec bien entendu support ici pour le Wi-Fi 6, donc ça permet vraiment d'avoir une très très bonne connexion. On a aussi bien entendu une résistance aux intempéries, très très important, étanche IP67, compatibilité aussi avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Bon, et bien c'est parti pour la phase test ici de la CB5 4K sans fil. Avec panneau solaire, donc ce qui est très intéressant, comme on peut le voir ici, nous avons eh bien les deux petits spots lumineux et au centre la caméra. Et si je me lève un petit peu, hop, nous avons le panneau solaire. Donc, comme vous le savez, S-Vise, il s'agit d'une marque que j'aime énormément. Et en fait, j'ai d'autres caméras. C'est pour ça que je l'ai positionnée ici pour avoir une autre vue, une autre vision. Et l'intérêt d'une caméra sans fil avec panneau solaire, c'est que tu peux la déplacer relativement loin de la maison. Donc après, il faut juste une bonne connexion Wi-Fi, ce qui est le cas. On va regarder aussi combien de mètres, eh bien, nous sommes aussi à peu près de la box Internet. Et quand on va regarder, je vais te présenter aussi les autres caméras. N'hésite pas à les visionner sur ma chaîne YouTube puisque j'ai réalisé des vidéos concernant ici la C8C 3K qui est vraiment tip top. Alors celle-là par contre, comme tu peux le voir, elle est filaire, donc il faudra forcément ici la placer dans un endroit relativement proche en tout cas d'une prise secteur.
Et quand on regarde là-haut, nous avons, hop, juste ici, eh bien la fameuse HB8 2K que j'aime beaucoup. Alors par contre, elle est filaire, mais ici avec un panneau solaire. Donc comme tu peux le voir, je me suis débrouillé. Franchement, c'est super sympa. Donc ça aussi, c'est pas mal. C'est une autre solution avec panneau solaire que propose SViz. C'est juste que par contre, c'est filaire. Alors que celle que je vous présente aujourd'hui, elle est totalement sans fil. C'est ce que j'aime bien aussi avec le côté intégration du panneau solaire. Mais ici, ça peut être une autre solution en fonction des personnes qui veulent placer la caméra ici par exemple HB8, mais qui veulent tout simplement utiliser un petit peu le côté énergie renouvelable, donc ici avec panneau solaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que celle-là, ça va faire plus d'un an, je crois à peu près, que je l'ai, et elle fonctionne vraiment pleinement en panneau solaire. Je l'ai jamais rechargée de mon côté et elle reste à environ 100%. Après voilà, il faut bien entendu derrière une bonne, on va dire, une bonne visibilité, hein. Faut vraiment qu'elle soit aussi bien exposée au soleil. Et quand on regarde à la maison, j'ai la E6 qui est juste ici. En fait, bien entendu, une autre caméra que je t'ai présentée sur ma chaîne YouTube, donc qui est là plus une caméra intérieure. Si je te montre tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, j'utilise en fait vraiment tout l'écosystème que propose aujourd'hui SViz avec vraiment de très bonnes caméras. Donc ici, ma box internet, elle est en fait à la maison au niveau de la porte d'entrée et on va regarder combien de mètres on a la distance, puisque là-bas je capte bien, je vais te montrer aussi bien entendu juste après l'application mobile. On est à peu près à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, allez on va dire 17-18 mètres de distance, ce qui est vraiment très très intéressant parce qu'en fait cette caméra là pour moi va jouer un rôle important, c'est à dire que là-bas j'ai une caméra qui va vraiment faire l'intérieur, j'ai une autre caméra qui va faire plus aussi on va dire la terrasse, mais avec une autre vision, j'ai une caméra à l'intérieur de la maison et là j'ai décidé de rajouter cette caméra là. Et oui, ce que je voulais te dire, c'est pourquoi je l'ai positionnée ici. Déjà, c'est pour ce champ de vision qui est extrêmement intéressant. C'est aussi par ce côté, on va dire, très flexible, mobile, hein, de cette caméra-là. C'est-à-dire que je peux vraiment la positionner là où je le souhaite. Il suffit d'avoir une exposition au soleil, puisqu'ici, ça intègre le panneau solaire. Et donc, j'ai décidé de la placer ici, parce qu'on ne s'attend pas forcément à une caméra ici. Elle reste vraiment discrète, c'est-à-dire que dès que je vais être à peu près à 5 mètres, 10 mètres, eh bien, vraiment, cette caméra, on ne la voit vraiment pas. Eh bien c'est parti pour la fast test de la caméra, je vais aussi te superposer à droite de l'écran l'application mobile SViz, d'ailleurs je vais cliquer tout de suite dessus. Et comme tu peux le voir d'ailleurs, c'est vachement sympa puisque nous avons le Face ID, donc qui permet de simplement de s'identifier ici de manière sécurisée. Une détection s'est faite forcément puisqu'ici j'ai activé la détection, donc on peut voir que la caméra fonctionne vraiment bien. Malgré aussi cette distance que j'ai vraiment aussi avec la box qui est à l'entrée là-bas, donc ça c'est vraiment cool, ça nous permet de tester ici eh bien le bon réseau Wi-Fi tout simplement et aussi cette capacité de réseau aussi au niveau de la caméra, au niveau du hardware. Alors quand on regarde au niveau de l'application mobile, donc ce qui est vraiment bien, c'est vu que j'ai que des caméras SViz, eh bien tout est centralisé sur l'application mobile. Nous avons tout en haut la CB5, juste en dessous nous avons la C8C, la HB8 juste en dessous, les trois sont actuellement connectés. Alors comme on peut le voir, alarme désactivée, c'est marqué juste à côté de C8C, et la HB8 alarme aussi désactivée puisque je suis à la maison. L'alarme est activée pour la CB5 puisque nous allons la tester aujourd'hui, donc on va voir aussi forcément ce que ça va donner, mais comme on a pu le voir, j'ai reçu une notification. Et quand on regarde la E6, celle qui est à la maison, dans la maison, et bien ici elle est en mode confidentialité, c'est-à-dire que en fait elle ne fonctionne pas puisque forcément on est à la maison, donc ici elle est dans son dôme et elle sera en mode activé uniquement lorsqu'on partira de la maison. Et d'ailleurs ici nous allons donc cliquer sur CB5, je clique dessus et comme tu peux le voir, donc ça se charge et puis on aura accès à la caméra. Alors vu que je suis un petit peu loin de la maison, ça peut prendre un peu plus de temps. J'entends que la caméra, en tout cas ici, que le son, le micro en tout cas de la caméra fonctionne. Donc ça c'est vraiment bien. Ok, super. Donc je vais enlever le son, hop, sur le téléphone. Et donc là on peut voir que même en me déplaçant, il n'y a pas un gros décalage, hein. Ça reste très propre. Donc ça c'est vraiment bien. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais reculer un peu. D'ailleurs il y a une voiture qui bouge aussi derrière. Voilà, donc la qualité reste très bonne.
alors que je suis relativement loin. Et si je clique en haut à droite sur les paramètres, nous pouvons voir ici la caméra avec le niveau de batterie restant. Donc ça, c'est vraiment important. Donc par exemple ici, la CB5, elle a 76% de batterie. Et actuellement, elle va se recharger en fait, tout simplement. Au niveau de la batterie, je peux cliquer dessus. Nous avons ici le panneau solaire avec stockage batterie, instruction de charge. Je peux cliquer dessus. Hop, voilà, si je clique sur le panneau, donc ici le panneau solaire avec stockage de batterie comprend un panneau solaire et une batterie lithium rechargeable. J'ai aussi la détection intelligente, donc la détection de forme humaine et aussi ce que je t'ai dit juste avant, la détection de véhicules. Je peux activer la détection de véhicules, comme ça quand il y a un véhicule, et bien ici grâce à l'intelligence artificielle, il va détecter le mouvement d'un véhicule ou alors la détection de présence humaine. Donc ça c'est bien parce que bah ici il y a un chat qui traîne un petit peu autour de la maison, bah forcément quand le chat va se balader, le but c'est pas que la caméra s'active et m'envoie une notification inutilement. Donc ça c'est top, j'ai activé ici ces deux fonctionnalités qui sont vraiment pour moi indispensables. On a la notification par message, nous avons aussi paramètres audio. Si je retourne un petit peu en arrière, nous avons paramètres de l'image, paramètres aussi d'éclairage. Voyant d'état de la caméra, je peux désactiver pour qu'elle reste un peu plus discrète. D'ailleurs, j'ai reçu une notification détection de personne, donc forcément c'est moi. Nous avons paramètres du spot aussi, donc luminosité, on peut choisir la luminosité ici des spots lumineux, donc ça c'est top. Et notification lumineuse, lorsque cette option sera activée, les voyants de la caméra clignoteront en cas de déclenchement de la détection. Donc ça c'est pour vraiment montrer une détection lorsque il y a une personne qui se balade la nuit et il y a une intrusion qui se fait. Donc ça aussi c'est pas mal. On a la liste des enregistrements, paramètres de confidentialité, paramètres de réseau, informations sur l'appareil. Bref, on a toutes les informations importantes ici au niveau de la caméra. D'ailleurs ici, comme on peut le voir au niveau de l'application, en bas j'ai donc tout simplement appareil et j'ai aussi bibliothèque et liaison intelligente. Et si je clique sur bibliothèque, nous aurons accès à toutes les notifications aujourd'hui. Et forcément, depuis tout à l'heure, la CB5 me détecte, en tout cas ici, la présence d'un humain, donc moi. Et donc derrière, m'envoie des notifications et tout est enregistré en historique ici sur l'application. Donc ça, c'est cool. Si je clique dessus, ici, détection de personnes par l'IA. Donc je fais tout simplement lecture. Donc ici, il n'y a pas de vidéo puisqu'il faudra utiliser le cloud d'Esviz. Il est recommandé d'ouvrir le stockage de cloud pour un stockage en toute sécurité. Donc il y a un essai gratuit. Ou alors ce que vous pouvez faire, ce que je n'ai pas encore fait ici, tu peux mettre une carte micro SD directement en fait dans la caméra, comme ça tu peux directement enregistrer. Nous avons aussi l'onglet sauvegarde juste en bas. Donc lorsque je clique dessus, eh bien ça lance ici l'enregistrement. Après, dans l'idéal, c'est de mettre une carte micro SD ou d'utiliser pourquoi pas leur service cloud. Mais en tout cas ici, ça enregistre directement en fait depuis mon smartphone. Voilà, donc ça c'est pas mal. C'est depuis l'application, je peux lancer un enregistrement si je le souhaite. On a aussi la possibilité de parler parce qu'il y a un haut-parleur sur la caméra. Il y a aussi un micro pour pouvoir écouter les bruits. Mais il y a un haut-parleur. Donc par exemple là, si j'appuie sur parler et j'augmente le son, donc ça risque de résonner. On entend un peu, est-ce que tu m'entends? Ouais, il n'y a pas un gros décalage, je trouve. Non, franchement, ça répond bien. Ça, c'est top. Ok, et comme on peut entendre aussi de l'autre côté avec le téléphone, bah forcément, je peux entendre ce qui se passe de l'autre côté. On a aussi la définition, puisque je peux me mettre en Quad HD, en Ultra HD, en Full HD, en High Definition. Donc ça, c'est cool, on peut choisir sa définition, forcément. Plus j'augmente la définition, mieux il faut avoir une connexion internet en tout cas. Voilà. On a aussi l'alarme. Alors, l'alarme, ça reste correct pour une petite caméra comme ça, en termes de taille. On entend bien. Ça peut être dissuasif, comme on peut le voir, on a les LED qui s'allument. De nuit, ça peut surprendre. En tout cas, ça montre une détection. C'est ça qui peut être sympa. Ça reste relativement puissant. Hein. Bon, et bien c'est parti, il fait sombre dehors et donc on va sortir et on va voir, donc à droite il y aura la HB8 qui va s'allumer, à gauche nous avons la C8C et plus loin nous avons la CB5, donc la caméra que je montre, mais je pensais aussi que ça pouvait être bien de te montrer vraiment toutes les caméras de la marque Esviz. Donc c'est parti, je sors, ici la HB8 elle m'a détecté, on va marcher tranquillement, on peut voir ici l'autre caméra qui m'a détecté. Et maintenant, nous allons voir avec la CB5 qui m'a détecté et qui éclaire vraiment bien aussi. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, on voit le jacuzzi. Puis on peut voir aussi la voiture. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, j'ai pu te montrer les trois caméras. On va voir si je me mets à côté de la voiture. La détection de mouvement.
Elle se fait là. Ok, super. Elle se fait, je suis à peu près à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 7-8 mètres à peu près. Voilà, c'est ce qui est recommandé de nuit parce qu'il y a moins de visibilité. Donc de nuit, à peu près à 8 mètres, la détection, elle se fait. On va voir depuis l'application maintenant. Bon voilà, en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui la CB5 4K en fait de la marque SViz. Donc vraiment conclusion, je suis ultra content. Franchement bravo à cette marque là qui continue à faire des super produits. Et comme je te l'ai dit, avec la HB8 que j'ai reçue depuis un bon petit moment, je l'ai jamais rechargée en fait. Le panneau solaire fonctionne tellement bien que derrière ça permet vraiment de recharger ici le produit. Il y a une très bonne qualité, il y a un très bon micro aussi, on entend vraiment bien. Il y a un bon haut-parleur, les LED sont vraiment puissantes, le soir on arrive quand même à bien voir. L'application mobile, moi j'aime beaucoup. Après voilà, ce qu'il faut prévoir aussi à côté, c'est une carte micro SD dans l'idéal, ou alors d'utiliser leur service cloud. Donc ça bien entendu c'est à toi de voir, donc c'est ce qu'il faut prévoir à côté. Mais ce qui est cool, c'est ce côté en fait tout est intégré. On a un truc vraiment de très bonne qualité. Alors quand on va parler du prix, forcément on n'est pas dans de l'entrée de gamme ici. Le prix c'est à peu près environ 169,99€. Peut-être que ça peut bouger en fonction de certaines offres, etc. etc. On est sur presque 200€ le produit. Donc forcément on va rentrer dans des produits plutôt, on va dire, qui va se tendre vers une forme de haut de gamme, entre le milieu et le haut de gamme. Donc derrière on s'attend quand même à de la qualité. Et pour moi ici c'est vraiment le cas. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.